Tu te salues, ô ma reine, reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. Ave Maria, gratia plena, Seigneur, notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Nous rendrons grâce à ton saint nom. Nous te bénirons dans la joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour, mon Père. Maintenant, nous rassembler pour nous capables la prière, bon Dieu, pour nous demander le cœur posé avec la joie dans le cœur, nous. Parce que c'est dans bon Dieu qui nous joigne tout repos. C'est dans bon Dieu qui nous joigne le cœur posé. Et c'est pour raison ça qui fait maintenant bien bonheur nous réunir dans pile pour nous demander le cœur posé avec repos pour l'âme nous, pour l'esprit nous, pour moral nous, avant de commencer toute activité journée, nous venons remettre la vie nous dans main li. Avant de commencer belle célébration ça, à nous reconnaître devant bon Dieu que nous tous nous sommes pécheurs, pour bon Dieu capable de continuer à gagner pitié pour nous, à nous dire ensemble, je confesse à Dieu tout-puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, votre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pitié pour nous, Jésus, pitié pour nous,
pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Prions le Seigneur. Maintenant, l'Église fait mémoire de Sainte Agathe, une sainte qui était toujours dévouée dans le travail bon Dieu grand maître là, qui était mettait-elle disponible dans le service bon Dieu. C'est Sainte Agathe qui a célébré dans liturgie matin, comme avec ce mieux. En nommant des bon Dieu, pour bon Dieu capable de permettre que nous gagnions même force spirituelle, même courage que Sainte Agathe lui-même l'était gagné pour être capable de faire volonté bon Dieu dans la ville. Que Sainte Agathe implore pour nous ton pardon, Seigneur, elle qui sut également te plaire par la consécration de sa virginité et par son courage dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 3, versets 4 à 13. Le roi Salomon se rendit à Kabaon, qui était alors le grand sanctuaire, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel un millier de bêtes en holocauste. En ce lieu, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Il lui dit: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Salomon répondit: tu as montré beaucoup d'amour à ton serviteur David, mon père, lui qui a marché en ta présence dans la fidélité, la justice et la rectitude du cœur envers toi. Tu lui as gardé ce grand amour, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger. Et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Et je te donne aussi même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne et la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prier dans le psaume 118 et ensemble nous répétons: Seigneur, apprends-moi tes volontés. Seigneur,
apprends-moi tes volontés. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Ensemble, Seigneur, apprends-moi tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voix de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Seigneur, apprends-moi tes volontés. Mettons-nous debout pour acclamer l'Évangile. Tu es le vrai pasteur, nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia, alléluia, merci mon Dieu pour belle parole. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Il partit donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner. Et beaucoup les reconnut. Alors, à pied de toutes les villes, il courut là-bas et arrivait avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Femme avec ce mieux, maintenant, nous venons écouter parole bon Dieu comme d'habitude chaque matin. Et dans l'évangile matin, Noé, qui Jean Jésus lui-même, c'est si là qui toujours a offri tout le monde repos pour l'esprit, pour l'âme, avec pour la vie. Et en pile foi, gagnant en pile chrétien qui toujours très préoccupé des activités qu'il y a fait dans la vie. Il y a tellement d'activités, ça a une importance. Il y a qu'on oublie, eh bien, limite, il y a faiblesse, il y a gagné en tant que monde. Mais Jésus, lui-même, lui connaît gagné des limites que nous pas capables, eh bien, dépasser.
même laissé dans la mission nous y est pour bon Dieu. Mais bon Dieu lui-même lui toujours confié nous mission qui à la hauteur des forces nous, à la hauteur des capacités nous. Et nous voyons dans l'évangile là qui Jean après Jésus te voyé disciples dans la mission et eux-mêmes ont gagné les retourner pour yo raconter eh bien Jésus qui Jean yo fait travail que il était confié yo. Il a expliqué qui Jean eh bien yo était guéri en pile monde qui était malade et yo pas même gain temps pour peut-être pas yo tellement yo était préoccupé par eh bien mission ça. Et Jésus lui-même li gardé yo eh bien li gagné pitié pour yo. Il dit yo venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Donc Jésus cap offri eh bien disciples yo un moment pour yo capable ressourcer yo un moment eh bien cap bon pour corps physique yo mental yo cap bon pour capable eh bien recontinuer travail avec beaucoup plus force. Eh bien frère avec ce mio c'est un exemple pour la vie nous tout et nous chaque qui l'a matin. Des fois nous consentis que nous stressés en pile, des fois nous préoccupés par activité que n'a entreprendre dans la vie nous, mais toujours changer que caille bon Dieu ya c'est un caille qui offre un repos. C'est caille côté que nous capable de ressourcer nous. Et c'est ça que fait en pile chrétien. Là au senti que yo bouleversé dans activité yo, eh bien yo toujours venu l'église là pour yo la prier, pour yo prendre un moment pour yo parler ensemble avec bon Dieu. Pour bon Dieu eh bien capable eh bien refaire force yo. En pile chrétien fait exemple ça. En pile chrétien vive expérience ça déjà dans la ville côté que li wè dans travail là, gen en pile activité ça rend yo eh bien yo pas gen temps pour peut-être pas yo mais yo passé dans l'église là, yo prend un moment en silence dans cœur yo. Yo prend un silence pour bon Dieu capable eh bien parler ensemble avec yo. Un silence côté que eh bien yo pas exprimer yo avec bouche avec parole mais avec cœur. Un silence de repos et c'est bon Dieu lui-même qui toujours là pour lui offrir nous eh bien moment ça même en Jésus lui-même lui comprendre eh bien réalité disciple. Il connaît c'est une réalité qu'il a besoin. C'est un moment qu'il a besoin. Et le Jésus t'est offert eh bien disciple les ont retourné sur ta mission mais moment ça évangile là pas expliqué que il était joindre parce que les arrivé dans moment côté que pour capable reposer là t'est gagné un full moon qui était déjà attendre Jésus dans moment ça et Jésus lui-même il garde full moon yo li wayo comme des brebis sans berger et li gagne pitié pour yo et li wè c'est des moun eh bien qui besoin yon accompagnement, c'est des moun qui besoin yon enseignement, c'est des moun qui besoin yon parole eh bien qui pour nourrir nam yo. Eh bien Jésus gagne pitié pour yo et li commencé à instruire yo eh bien pendant longtemps. Et disciples qui étaient venus pour yo capable reposer eh bien yo rentré dans même travail et que yo t'a fait. Donc vraiment avec ce mio li important pour à chaque fois dans activité nous eh bien nous songer eh bien pour nous capable venir dans pied bon Dieu pour nous capable ressourcer nous spirituellement et à chaque fois nous venir ressourcer nous eh bien nous venir gagner plus force spirituellement eh bien pour nous capable continuer mission nous sous terre. En nous la prière bon Dieu
en nous demandant, bon Dieu, force avec courage. Même Jean avec Sainte Agathe qui n'a pas célébré, eh bien, matin, qui était toujours, mettait toute la ville, eh bien, non, bon Dieu, pour le faire volonté, bon Dieu, elle t'a offert tête linette dans le service, bon Dieu. Donc, en nous la prière, bon Dieu, matin, pour même force spirituelle qui nous besoin, pour les toujours, bah, nous, pour nous toujours qu'un B, eh bien, même chemin, ça, chaque matin, avant que nous allions dans l'activité, nous, eh bien, nous passer rempli, ça nous capable, eh bien, nous spirituellement, remplir la vie, nous, avec grâce, bon Dieu, remplir la vie, nous, avec l'Esprit Saint, eh bien, pour nous capable, bien force, pour nous résister, eh bien, dans l'activité, nous, en nous la prière, bon Dieu, en nous demander, Maman Marie, pour lui capable d'intercéder pour nous, pour être capable toujours, eh bien, la prière pour nous, bon côté, bon Dieu, papa, pour bon Dieu, capable, toujours prêt pour lui offrir nous repos que nous avons besoin pour corps nous, pour la vie spirituelle nous, pour mental nous, dans nos papa, avec petit là, avec l'Esprit Seigneur. Ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie.
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Fais-en ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Carmel Bruno, Antonine Michel Louisney, Badio Jean-Annonce, Grâce Gélia Chira, Ghislaine Moïse Fonrose, Jonathan Douda, Perceval Marie Dorothée, Florence Sabat, André Tanis, Badio Jean-Annonce, Giovanni Antoine Marie-Lissa Saïna, Cyril Victor Gustave, Lapierre Tessilia, Mitfosle Etienne, Annette Birotte, à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que Jésus nous a appris, notre Père. Ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que toi appartient le règne, la puissance, siècle et siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous.
Heureux les inviteurs au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Jésus dans le ciel, c'est l'eau qui va nous faire.
Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons toutefois nous avec Seigneur encore joyeux anniversaire à Antonine Michel Luisné, joyeux anniversaire à Badio Jean Annonce, grâce Gélia Chira, Ghislaine Moïse Fonros, Jonathan Doda, Percival Marie Dorothée, Florence Sabat, André Tanis, Badio Jean Annonce, Giovanni Antoine Marie-Lissa, Saïna, Cyril Victor Gustave, Lapierre Tessilia, Mitfosla Etienne, Annette Birotte. C'est pour bon Dieu bénir et faire grâce dans le moment où il y a célébré l'anniversaire. Je souhaite à tout le monde passer une bonne journée, une bonne méditation à nous toutes. Merci mon Père, pareil. Une mère, élevée et surtout nous éclaire, nous chanter de l'amour, notre Père, notre cœur s'est tourné vers notre Mère du ciel. Esquimée, c'est changer et c'est croire, aide-nous. Peut changer notre histoire, aide-nous à nous réconcilier. Dans le ciel, nous savons une mère, élevée et surtout nous éclaire, pour chanter.